Allez, Gwen, je vais te conduire en lieu sûr. Merci, Peter. Je dois aller chercher les autres avant que ça dégénère vraiment. Peter, on sait tous les deux que ça a déjà dégénéré. Le docteur Smythe pourra t'aider. Trouve-le! Je vais essayer, mais Gwen, dis-moi franchement, qu'est-ce qui va t'arriver? À toi? Je ne sais pas, mais rien de bon en tout cas. Je suis infectée, Peter, nous le sommes tous. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Connor s'il n'y a qu'une seule issue? Mais... et pour l'antidote alors? Si ça a marché une fois, alors... Connor a été exposé à une souche plus ancienne, ce n'était même pas encore un virus. Depuis, elle a évolué, muté. Il n'existe pas d'antidote contre ça. Et si je réussis à arrêter tous les mutants? Il faut les arrêter, c'est une évidence. Mais même dans ce cas, il y a toujours un risque que le virus se répande. Gwen, reste calme. Je promets qu'il ne t'arrivera rien, d'accord? On va trouver un moyen. Je vais aller chercher Smythe et les autres. Avec un peu de chance, il est peut-être pas trop tard. Attends, Peter, prends l'osphone sur la table. Le quoi? C'est le nom du téléphone d'Oscorp. Ce n'est qu'un prototype, mais ça me permettra de t'appeler. Ok, je serai de retour dès que possible. Smythe s'en est sorti. Oui, je l'ai amené en quarantaine avec les autres scientifiques. Mais ils sont tous infectés. Et les créatures mutantes? Où sont-elles? J'ai essayé de les arrêter, mais elles se sont échappées. Vous m'avez eu, moi, le lézard. Quelle est la différence avec ces créatures? Ah, si vous saviez. Comme vous pouvez le voir, la créature s'est interrompue au beau milieu du parc. En y regardant de plus près, nous confirmons que c'est plus utile que celui qui a récemment terrorisé Manhattan. Curieusement... Oh non!
dois faire vite. Détruisant ses articulations, je pourrais le ralentir. Enfin, j'espère.
Mes collègues biologistes sont responsables? Les vautours. C'est Michael Morbius qui a mené la charge? Celui-là, c'était bien le seul à s'intéresser à mes travaux. Je ne sais pas pourquoi, mais il voulait me convaincre d'utiliser des chauves-souris plutôt que des reptiles. Pas de chauves-souris en vue, Doc. C'est n'importe quoi. Mais il y a un rat. Et pas du genre mignon. Et je parie qu'il est particulièrement contagieux. Voyez-vous, ce ne sont pas tant les nouveaux mutants qui m'inquiètent, mais bien plus le virus mortel dont ils sont porteurs. Et vous dites que la plupart de mes anciens collègues ont été infectés. Et Gwen. Et Gwen. Et quel espoir avons-nous? Alistair Smythe et son armée de robots tueurs? Ils vont détruire la ville plus sûrement que ce fichu virus. Il y a forcément un autre moyen. Bah, vous croyez que je suis venu jusqu'ici pour vous rapporter la nouvelle, hein? Attendez. Que voulez-vous dire? Je vais vous faire sortir de là. Vraiment? Spider-Man aidant le lézard à fuir de sa cage? Et c'est moi qu'on traite de fou. Assez perdu de temps. Il est temps de prendre une décision. Attendez. Dans ce cas, vous devez me promettre une chose. Quoi qu'il arrive, quand tout sera fini, vous me ramènerez ici. Maintenant, allons-y avant que l'effet des médicaments disparaisse et que je réalise que tout ça est de la folie. Dès que j'aurai ouvert cette porte, vous courez le plus vite possible, d'accord? D'accord. J'ai compris. Il est temps d'y aller. Aider l'une des plus grandes menaces qu'ait jamais connue la Terre à s'échapper de l'asile, ça va faire bien sur mon CV. C'est ça. Connors va sortir plus tôt pour bonne conduite. Hé, hey, dégagez de là! Non, non, non! Déverrouillage d'urgence! Je peux pas le désactiver! Les patients vont quitter leur cellule! C'est votre faute! Vous devez m'aider! Je dois vous aider? Et le taser, alors? Et puis qu'est-ce que vous venez faire ici, Spider-Man? D'accord, je vous aide à remettre de l'ordre. Mais promettez que vos amis me tireront pas dans le dos. Je devrais vous descendre moi-même! Dégagez de là! Je m'en vais! Mais vous étonnez pas si je vous accepte pas comme ami. S'il vous plaît, retournez dans vos chambres pour la sieste, d'accord? Ça vous plaît, ça? C'est bien.
que ça à faire. Quel time, Spider-Man! Prenez ce couloir et tournez à gauche, je vous rejoins là-bas! Hé, hey, attendez! J'imagine qu'il saura retrouver son chemin. Il est temps de remettre tout le monde en cellule et de jouer les infirmières. À tout personnel, veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Force de police, ne fait pas tarder. Je vais t'apprendre la discipline. Merci mille fois.